told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened, and all the books we've closed. Words just come together, story that we never told. So if I shake and fall my own, you said just keep holding on. If you're about to break, oh, 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 I'll always be your captain. From our failures we have grown. You said just keep holding on. If you're about to break, oh, 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 I'll always be your captain. Salut les bandits. Comme vous voyez, il fait un temps plus que pourri. Mais vraiment plus que pourri. Là, ça fait deux jours. Donc c'est un bon moment pour se mettre sur les papiers. Et là, c'est une belle galère. Les enfants sont à l'école, derrière là. Et du coup, voilà, on est dans les papiers. Et je me dis, tiens, je vais me mettre à faire les charges utiles, répartition des charges plutôt, tout ça. Et là, je me souviens plus comment on avait fait avec Flash, mais c'est un petit peu prise de tête quand même. Donc on entraîne hier la petite feuille, parce que vous pouvez trouver des feuilles à disposition sur le site. Je sais plus c'est quoi. C'est le dossier RTI, hein, version 01011-2017. Ah, ça a été mis à jour. Et voilà, donc ils nous disent tout ce que vous devez faire, la calcul de répartition des charges. Le véhicule doit permettre une charge utile minimale pour les bagages et tout autre élément de chargement. Vaisselle, nourriture, accessoires de couchage, de loisirs. La charge utile, CMU. CUM. Pas CMU. CUM. Donc ça veut dire charge utile marchandise du véhicule. CUM égale PTAC moins poids vide moins 75 fois N. Doit être au moins égal à la valeur minimale suivante. CUM en kilo inférieur à 10 fois N plus 10 fois L. Avec N égale le nombre de places assises prévues en circulation, y compris le conducteur. L, c'est la longueur hors tout du véhicule en mètres. La répartition des charges doit être telle qu'aucun des essieux du véhicule n'ait à supporter un poids supérieur à celui autorisé par le constructeur du châssis. Jusqu'à là, ça va. Ok ? Mais en fait, c'est ça, hein, c'est tout simplement ce petit truc bidule chouette là qu'il faut remettre bien dans l'ordre. Donc en fait, la charge utile marchandise, c'est... Bon, on commence à s'y mettre tout doucement, en fait. Commence à comprendre, à recomprendre. Et moi, franchement, j'avais complètement décroché. Et c'est pas facile. Hein. Donc là, on a calculé tout ça. En fait, quand vous êtes dans le véhicule, vous êtes à 6. Il vous reste, pour nous, il nous reste 4010 kg à répartir dans le car. Sans dépasser les charges au niveau des essieux avant et arrière. Pour que ce soit bien réparti justement entre les essieux avant et les essieux arrière. Et donc là je suis en train de vérifier sur mes papiers, je vais regarder sur mon barré rouge les charges maximales admissibles par les essieux avant et les essieux arrière. Donc là ben, je vais regarder parce que là, je trouve pas le papier. Et sachant que aussi sur le papier d'autorisation du constructeur, parce qu'il nous faut une autorisation constructeur, c'est obligatoire, il nous indique bien sur autorisation constructeur, vous pouvez en gros changer notre bus en camping-car. Mais vous devez respecter aussi les charges minimales admissibles sur les essieux. C'est-à-dire que si j'aurais aménagé le car et qu'il aurait été trop léger, eh ben ça ne passait pas non plus. Vous voyez, c'est vraiment un truc de dingue. Il fallait que je sois minimum à 3 tonnes 340 devant et 7 tonnes 520 derrière. Ça va, parce que je crois qu'on a 9 tonnes derrière
et 4 tonnes et quelques devant. Donc les charges minimales, c'est bon. Oh là 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 là, vous savez ce qui va être bien quand on va reprendre la route, c'est que je vais avoir un peu plus de temps pour refaire des recettes. Et là, j'ai fait un petit pain. Bah, il est encore près de la route alors. J'ai fait un petit pain au seigle avec de la farine de maïs et de la farine de blé pour limiter la farine de blé parce qu'il y a plein de gluten. Des graines de courge, du sésame blanc, du sésame brun et des graines de pavot. C'est un pain multicéréales à base de seigle surtout. C'est extra, on a mis un petit peu de margarine dedans, enfin du beurre de végétal. Regardez. Trop bon. Me demandez pas la recette, j'ai fait ça au hasard, faudrait que j'essaie de la refaire. De la faire évoluer, je vous laisserai une recette. Oh là là, terrible. Non? Non, il reste encore ou pas? Chouchou, c'était bon. On se régale. Va falloir que tu fasses des recettes un peu plus souvent. Nickel, il y en a deux. Bon, les bandits, il est 2h du matin. En fait, on se presse parce que mercredi, on va tracer directement sur Angers pour apporter tout ce dossier à l'Adréal. Parce que le gars, il va regarder notre dossier, voir si c'est bien, il va nous le valider. Et comme ça, il pourra nous donner notre rendez-vous. Je vous rassure, on va pas lui donner un torchon par hasard. Et voilà, bon, on a fait un peu de la merde. C'était pas ce qu'on pensait qu'on aurait fini, mais on n'a pas réussi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de coffres. Et leur colonne est beaucoup trop petite, on a le double en coffre. Donc Charlotte, elle va nous refaire une belle colonne, un beau tableau avec tout ce qu'il faut. Voilà. C'est vrai, c'est trop chiant la répartition. C'est le seul truc dans le dossier qui est chiant à faire. Sinon, on a tous les papiers, on a réuni tous les papiers qu'il fallait, autorisation constructeur. Il n'y aura plus que le contrôle Caligaz et le contrôle technique. Contrôle technique. Ouais, et voilà, et les plans et la répartition des charges. Donc moi, je m'occupe des plans demain, toi, tu refais tout ça au propre demain. Et normalement, on sera bon. Ok, de toute façon, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'on a tout fini. Et là, dodo. Ouais, on va dodo. Allez, on vous laisse. Bonne nuit. Bisous. Bye bye. Salut la compagnie. Ciao. Hasta la vista. Ciao. Allez, à demain. Pour nous, à tout à l'heure. Dodo. Bon, on se retrouve ce matin. Toujours dans les calculs, c'est galère. Hein. C'est galère, c'est galère. Et là, j'entends Patte de velours qui arrive. Attention. Patte de velours. C'est qui Patte de velours? C'est Jeff et Pascal, regardez. Ah, ils sont là. Hein? Du vélo sans casque? Oui, c'est vrai. Il est dingue. Bon, regardez ce qu'ils nous ont ramené les copains. On a dit en live hier qu'on voulait une petite télé. Il nous en a ramené. Aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà. Et ben c'est impeccable ça. Ça va faire deux télés. Attends, on n'est pas habitué nous avoir autant de télé. Ouais, je sais bien. Je me doute. C'est cool, les gamins, ils vont plus nous embêter dans un champ. C'est trop bien ça. Voilà. Chacun sa télé. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est chouette. Hein. Allez. 235. 280. 543,75 1113,63 1113,63 1500 543,75 543,75 1113,63. Voilà, là il y a les moins à faire. Donc moins 31, moins 120, moins 75, moins 75, et moins 75, 73, 729, 76. Je crois qu'on n'est pas bon. Peut-être, peut-être. On est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Oh là là, si on est pas mal, c'est bien. Donc ça, c'est les moments. On a un total de moments de 73 729,76. On divise les moments par l'empattement. 11 tonnes 891. 11 tonnes 891, on est bien. On n'est pas trop mal. Et
18 500 moins 11 880. Putain, 50 kilos en trop. Non, on a 50 kilos en trop. Oh putain, sur les suaves. On va y arriver, regardez le torse. Bah non, on est bon, chouchou, c'est 650. On a 609. Non. Oh putain. C'est vrai? Oh, on a eu. C'est 1650. On est bon. On a 40 kilos. Regardez. On en a marre. Franchement. C'est une galère. C'est une galère sans nom. Franchement, c'est une galère sans nom. Hier, on a commencé à 23h jusqu'à 2h du matin. Au matin, j'ai déjà écrémé un peu. Ensuite, ouais. Donc, on s'est pris parce qu'après, il y avait trop de bazar avec les enfants et tout. Donc, on a repris à 23h jusqu'à 2h du matin. On était HS, du coup, on est parti se coucher. Ouais. On a repris ce matin. Il était 9h, je crois. 9h30. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, on s'est arrêté pour manger. Il est 4h30. Il est 16h30. C'est l'heure du goûter. J'ai rien prévu. Et on a tout refait il au propre. Il est 16h30. Non. Enfin, que des plans qui oui, sont mais j'ai refait des plans parce que vous voyez, j'ai fait des plans vraiment tout simples. Il faut pas. Au début, j'avais ça qu'un monsieur m'avait donné. D'ailleurs, merci à lui, ça m'a servi quand même. Mais c'était trop petit et moi, comme on a beaucoup plus de coffres, ouais. Là, c'était pas pratique. Donc j'ai refait des ça, planches. Fouillé, en fait. J'ai refait des planches propres où j'ai vraiment mis plan d'aménagement, dimension, issue de secours. Ensuite, j'ai une autre planche avec mes coffres hauts, mes coffres bas, avec toutes les distances. Et ensuite, j'ai une planche avec mes coffres sous plancher, c'est-à-dire les soutes. Et voilà, donc on a tracé l'essieu avant, le centre de l'essieu avant. Ensuite, on a tracé chaque centre de nos coffres. Et là, quand vous additionnez le poids, quand vous multipliez le poids que vous avez dans votre coffre par rapport à la distance de votre essieu avant, vous obtenez un moment. Ça se dit un moment. Ok. Un moment. Si tu le dis. Un moment. Moment. Ensuite, vous additionnez tous vos poids. Nous, on ne devait pas dépasser 4 tonnes 10. C'est ça, chouchou? Si je ne dis pas de bêtises. 4 tonnes 10. On a une charge utile de 4 tonnes 10. Donc, cette charge utile de 4 tonnes 10, vous la répartissez dans tous vos coffres. On a environ 28 coffres en tout, comptant les soutes, les petits coffres dans les toilettes, le petit coffre dans la salle de bain, les deux coffres dans la chambre, les armoires, les meubles bas où on met les couverts, tout ça. On a tout décompté, on a environ 30 coffres, c'est ça, enfin 28 coffres, 28 rangements de différentes tailles et de différentes capacités. Et là, on est venu dispatcher les 4 tonnes 10 dans tous ces petits coffres. Tu me dis si je me trompe. Hein. Ensuite, tous ces poids sont venus se multiplier avec leur distance. Nous avons obtenu des moments pour chaque de ces rangements. On a additionné tous les moments. Nous sommes arrivés à 73 729, 76, le moment. Je ne sais pas trop ce que c'est en fait. C'est la distance fois le poids. Voilà. Nos poids de tous nos meubles, il ne faut pas qu'ils dépassent les 4 tonnes 10. Et il ne faut pas que ça dépasse aussi notre PTAC qui est de 18 tonnes 500. Une fois qu'on a eu tout ça, notre moment qui est de 73 729, on vient le diviser par l'empattement du véhicule, qui est de 6,20 m. On obtient le poids en charge sur l'essieu arrière, qui est de 11 tonnes 891, qui ne doit pas dépasser le tonnage autorisé par le constructeur, qui est de 12 tonnes. Pour nous. Voilà, donc là, on est bon. Mais en fait, on ne se retrouvait pas bon, parce qu'ensuite, il faut qu'on soustrait notre PTAC de notre poids réel de l'essieu arrière. C'est pas grave. On soustrait le poids de notre essieu arrière par rapport à notre PTAC. Et à chaque fois, donc, on obtient un poids qui est environ dans les 6 tonnes et il ne faut pas dépasser les 6 tonnes 650 autorisées par constructeur. Et nous, on était tout le temps dessus. On était à 6 tonnes 7, 6 tonnes 8. 400 kilos à chaque fois. Et là, on a tout refait. Donc, ce qu'il faut, c'est déplacer les poids de devant pour les remettre un peu derrière, mais sans surcharger l'arrière. Et inversement, il faut vraiment jauger pour être bien. Et là, on a réussi à trouver des calculs. Et tout voilà. Est cohérent. On a mis pas beaucoup de poids dans l'arrière. On a mis plus de poids dans les soutes. Vous voyez, il faut vraiment faire quelque chose de cohérent. Vous n'allez pas mettre 300 kg dans un meuble haut. Donc, on a vraiment tout fait bien. Et là, on arrive à 6 tonnes. Comme par hasard, au même moment où tu filmes. Ouais, là où je me mets à filmer. On arrive à 6 tonnes 609 et on ne doit pas dépasser les 6 tonnes 650. Et au niveau de l'arrière, on est à 11 tonnes 976, il ne faut pas dépasser 12 tonnes. Non, on est à 11 tonnes 891. On a 11 tonnes 891. C'est un ancien, ça. Oui, mais c'est un ancien.
Mais et ensuite, ils disent le poids total obtenu, chiffre 1, donc c'est ce qui est dans la colonne, ne doit pas dépasser, doit être égal au PTAC. Donc, on a vraiment 18 tonnes 500, on est égal à notre PTAC. On ne surcharge pas l'essieu arrière, on ne surcharge pas l'essieu avant, et on ne dépasse pas notre PTAC. Et bien sûr, pas tous les meubles. Tout ça, c'est sur le papier, parce que vous imaginez bien que là, en ordre de marche, on va pas aller lui mettre 4 tonnes 10 de charge utile. Voilà. Je sais que les camping-cars, mais ça c'est bien pour les camping-cars parce qu'eux, ils ont un gros problème. Ils sont limités à 3 tonnes 5 en PTAC. Et du coup, c'est galère pour vous qui êtes en camping-car parce que vous êtes souvent sur charge. Et nous, on a un autre problème, c'est quand on fait la répartition des charges, c'est qu'on on a trop de charges en fait. On sait pas où la mettre. On a mis des coffres, on a mis les soutes, on a mis des 375 kilos. Enfin, on mettra jamais tout ça dans nos soutes. Mais voilà, on est obligé, si on veut garder une carte grise de 18 tonnes 500, on est obligé de faire ça. Et voilà. Donc là, on a quasiment tout rempli. Je pense qu'on est bon. Donc pour ceux qui demandaient si c'était galère de faire un dossier VAST, non. Par contre, la répartition des charges, c'est une vraie galère. Et pour Flash, on avait galéré aussi. Et là, on espère... On espère qu'on va être bon. Donc vous voyez, ça, c'est les petits papiers qui vous donnent, que vous pouvez télécharger sur Internet. Hein. Et c'est pas un torchon comme ça. Hein. C'est mieux. Et vous voyez, vous avez quoi ? Vous avez 15 cases. Donc moi j'en ai ressorti un, moi que j'ai fait ça vite fait sur Word. Et voilà, j'en ai ressorti un parce que nous on a énormément de coffres au parce final de rangement. On va pas leur donner ça quoi. Mais voilà, c'est en faisant des torchons, des brouillons qu'on arrive au bon. Et donc là, on va tout refaire au propre. Il y a tout le dossier qui est prêt. Hein. Vous voyez, autorisation constructeur, le chèque, carte grise, on a le barré rouge, on a vraiment tout ce qu'il faut, les plans. Il nous manque juste le papier de Caligaz. Et puis le contrôle technique. Et on est nickel. C'est bien de le faire à deux quand même. De moins se prendre la tête. Pas trop de monde non plus, parce que quand on était à trois tout à l'heure avec Max, il y en a chacun qui donne sa version, c'est la merde. Et voilà, il faut aussi il faut qu'on ait l'autorisation de l'Adréal, un papier comme quoi ils disent qu'on va bien le changer pour le contrôle technique. Sans ça, on ne peut pas le passer au contrôle. Voilà. Donc vous en saurez un peu plus mercredi. Voilà, on en saura un peu plus mercredi. Caligaz passe demain matin. Vous êtes en train de regarder la vidéo, il est 13h et ben, vous savez qu'on a eu le contrôle ce matin, vous serez tenu au courant en temps et en heure sur les autres réseaux, Instagram surtout, vous êtes tenu au courant, ou alors dans le petit onglet communauté ou story, on va sûrement mettre des stories pour vous tenir au courant pour Caligaz. Ou dans la prochaine vidéo. Voilà. Et voilà, c'est une vidéo vraiment paperasse. Mais vous étiez nombreux à nous le demander. Voilà, vous savez que c'est la merde. Mais c'est ça chiant. Se fait, c'est pas pire qu'une demande de permis de construire en fait pour une maison. Vous savez, il y a des dossiers qui sont bien plus complexes que celui-là. Voilà, c'est juste qu'il faut comprendre, mais au final, quand on commence à comprendre, vous allez sûrement dire, mais oui, c'est ça le moment, Jérémy, c'est ça, c'est ci. Je pense qu'en fait, il faut qu'on arrive à un point zéro au niveau du car. Il ne faut pas qu'on soit trop chargé à l'arrière, trop chargé devant. Donc je pense que c'est ça le moment. Il faut qu'on soit sur une base, comme si on était sur une bascule. Il faut qu'on soit à zéro partout. Je pense que ça doit être ça. Donc voilà. si vous êtes en plein dans un dossier comme ça, nous appelez pas. C'est clair. Et isolez-vous, pas d'enfants autour de vous. Ouais, pas on s'est mis dans la caravane. Vraiment au calme. Et ce que tu as vu, nous on a essayé ce matin, les petits ils ont commencé à se lever. Pas possible. Et c'était mort. Impossible. Impossible. Ouf. Bon, ben on les laisse, nos petits bandits. On fera une vidéo plus intéressante jeudi. Hein. Et plus marrante. Et plus marrante, ouais, c'est clair. Du coup, nous, on va faire ça au propre. Il fallait passer. Voilà, c'est la première, c'est le premier épisode de la saison 4. Et c'est pas le plus marrant. Hein. Voilà. Allez, on vous fait des gros bisous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo à jeudi. Bye bye, allez, prenez soin de vous. Bisous. Ciao, bisous. Don't say, darling, 'cause you'll fake it. Don't hide the tears, 'cause I know you're breaking. All this love and all this pain you've given. All this love and all this pain. Another tear just burst from the side of your eye, and I know what
you're saying, and I know it's a fucking lie.